grâce car tu es avec nous. Nous voulons parler de ta part. Nous disposons, Père et Tout-Puissant, les cœurs disponibles et indisponibles de pouvoir suivre ces messages. Ceux qui nous suivent à partir de Facebook, YouTube, WhatsApp et partout, nous voulons, Père, qu'ils soient bénis avec ces messages. Les bons messages du temps. La Bible dit, un bon serviteur fidèle donne la nourriture à ses bien-aimés au temps convenable. C'est ainsi que, Père, nous voulons parler de l'enlèvement. Nous voulons parler, Père, de Tout-Puissant, de ton second venu, de ton dernier venu. Nous voulons que la présence du Saint-Esprit puisse régner pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Nous sommes debout, nous lisons la parole de Matthieu chapitre 24. Nous allons lire Matthieu 24. J'espère que le dimanche, nous avions parlé sur Élie et Moïse, mystère de l'enlèvement. Mystère d'enlèvement. Moïse et Élie. Je vous ai dit, Moïse qui représente les morts en Christ. Et je vous ai dit, Élie qui représente ceux qui sont vivants en Christ. Nous tous, nous avons la même espérance. Un jour, nous allons écouter les sons des trompettes. Pour aller chez nous nous reposer. Et chacun aura sa récompense selon l'œuvre effectuée. Ça, c'était notre dixième partie. C'est-à-dire, là, je présentais combien les gens qui meurent dans le Seigneur ont l'espérance d'aller à l'enlèvement. Et ceux qui sont vivants en Christ, c'est-à-dire Jésus, ne peuvent pas attendre que nous tous nous puissions mourir ou qu'ils viennent. Non, il viendra. Les hommes seront. Mourront et les hommes vivront, mais le Seigneur viendra toujours. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51, nous descendons. Tout à ce moment, on va dire que et là, je vous parle sur comment l'enlèvement s'effectuera. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Maintenant, aujourd'hui, nous avons notre 11e partie. Donc, je vais vous parler qui iront, qui seront enlevés avec Jésus-Christ. Qui seront enlevés par Jésus-Christ. Qui seront enlevés par Jésus-Christ. Parce que tout le monde sait que s'il entre dans l'église, c'est la raison d'aller à l'enlèvement. Non. La Bible dit les deux seront ensemble. L'un sera pris et l'autre va rester. Maintenant, qui va rester et qui ira? Ça, c'est une question. Toi, chrétien, tu vas déposer. Parce que l'objectif d'aller à l'église, c'est de gagner la vie éternelle. Et on ne gagne pas la vie éternelle. Quand on croit, quand on entre, mais on gagne la vie éternelle. C'est lorsque nous sommes sauvés. Et c'est lui qui marche avec le brisement et la sincérité. Ce n'est pas bon à se fier à une Jésus qui soit bon, non. C'est pas que le Seigneur Jésus est le Seigneur, non. Les restants sont là et les partants sont là. C'est pourquoi les enfants de l'autre. L'autre n'a pas fondé seulement les enfants de l'église. Il y avait les autres qui restaient. Les enfants qui avaient déjà épousé. Ils étaient restés à Sodome. Ça veut dire que les restants sont là. Et les partants sont là. Comme l'arche de Noé. Et le mystère de l'enlèvement. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit
Ça veut dire que lorsque ça s'accomplit, la Bible dit, il y avait le partant et le restant. Ça veut dire que les gens qui doivent rester sont la même chose. Maintenant, tu es dans l'église qui t'éclaircit les choses. Ok, tu dois t'identifier. Et toi, tu me suis sur Facebook. Je ne sais pas, pour YouTube, on a les fans sur WhatsApp. Donc, tu me suis, je ne sais pas, sur WhatsApp ou YouTube, je ne sais pas. Pour comprendre que l'objectif est pour toi, ça date. Tu dois comprendre que l'objectif de faire les offrandes. Pour essayer d'entrer dans l'église. Paul en enseigne, et si Paul dit qu'on ne puisse pas prêcher les autres et qu'elle même puisse rester. La fin des deux choses, c'est deux seulement. Parce que vous chantez dans vos choses. Parce que chaque fin n'est pas tout. Mais la première fin, c'est la mort. Comment toi, la coupe? Si une personne meurt, c'est que matin, il y a qui a mousi. Ça veut dire que ce jour qui pratiquait le soir, il accompagnait comme peut-être quand il a comme mouichou. Va l'accompagner de la mine encore à la fin. Tout mouichou est dans mouichou. Parce que la fin n'est pas encore la fin. C'est qu'il y a l'enlèvement. Ça veut dire que le jour de l'enlèvement, on va t'abasser comme on va tenir les gens dans le même sépulcre. Le massacre qui a devant tenir 80 personnes dans le même sépulcre. On vous arrête, on veut mettre dans les fausses communes. Là-bas, il y a toujours celui qui va partir et celui qui va rester. C'est pourquoi Christ doit comprendre. C'est pourquoi Christ doit comprendre. Il n'y a pas le bonheur qui aller dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, même celui qui était mort et celui qui était vivant. Celui qui est mort, l'image de Moïse. Et celui qui a envie, l'image d'Élie. Ça veut dire tous se retrouvèrent dans le paradis. Et c'est pourquoi lorsque Jésus était transfiguré, la Bible dit c'est lorsque Jésus était transfiguré, lorsqu'il était transfiguré, ses vêtements étaient devenus de la gloire. Moïse et Élie sont apparus. Donc dans Matthieu 24, la Bible nous dit, le jour que le Fils de l'homme viendra, il viendra dans sa gloire. Il sera dans sa gloire. Et chaque œil va le voir. L'aigle le voit. Et là on dit, et l'aigle l'avait poignardé. L'aigle l'avait poignardé. Jusqu'au jour où cet aigle existe. Pour que vous puissiez voir Jésus-Christ. L'aigle l'avait poignardé. C'est l'aigle qui avait fait sortir le sang et le sang qu'il avait sauvé. J'ai dit, l'aigle qui verra Jésus. C'est l'aigle là qu'il avait poignardé et le sang coulait et c'est le sang avec sauvé. Lorsque nous étions les péchés, on avait tué Jésus au travers de nos péchés. Pour que son sang soit versé, qu'on puisse avoir le salut. C'est pourquoi celui qui avait mis le sang voyait Moïse. Quand Pierre était à côté de Jésus, il voyait les larmes du sang sur la pierre. La Bible dit qu'il avait vu la présence de Moïse et Élie. Il avait dit, Seigneur, nous pouvions construire trois tentes. Jésus ne sait pas justifié. Vous savez, si vous ressuscitez la vie chrétienne, moi je m'en sais de ne pas justifier dans chaque problème. Parce que le monde est détruit. Le monde appelle les noirs en état blanc. La Bible dit les derniers jours, plusieurs vont changer le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Il y a des choses que tu ne peux pas refuser. Même le mouvement la vie, personne ne peut couper ta tête et mixer dans une vidéo. Il prend même votre photo. Il prend un garçon, il est tard. Il lit la tête d'une autre personne. Il publie. Le problème, c'est la conscience. Membre de mes amis. Si la femme de Potiphar, prendre le vêtement de Joseph. Attendez, mon voisin Yusuf. Représenter, convaincre tout Égypte. La conscience de Joseph est tranquille. Parce que je n'ai rien fait. C'est pourquoi je viens de la cousin. Ce sont les innocents. Voilà. Les innocents. Voici la innocence. Il n'y a pas l'innocence. S'il n'y a pas mentir pour toi, être méprisé, être dominé, c'est cette vie du bonheur et de la chrétienté. Si tu refuses les tentations, c'est pour plusieurs qui n'ont pas au ciel. Parce que Bible n'a pas principe, nous l'avons dit qu'il n'y a pas de souci. La Bible, c'est ce qui viole.
La Bible dit, ce sont les violents qui vont entrer. C'est que les violeurs. Les violés. Ce sont les gens qui vont entrer. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes 1 Corinthiens 15, verset 51. Nous lisons 1 Corinthiens 15, verset 51 et 52. Nous lisons encore Matthieu chapitre 24. Et verset. Je vais descendre. À cause de la gloire de Dieu. Nous allons descendre même au 30e verset. D'ailleurs, vous pouvez lire alors 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, descendant. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Les hommes de Jésus-Christ. Mmh. Voici. Je vous dis un mystère. Si. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Verset 50. En un instant. En un clin d'œil. À la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Incorruptibles. Et nous. Nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêtent l'incorruptible. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Paul est en train de dire. Asema, il dit quoi dire à Manu Noaya à ce sujet. Comprenez la chose. Les gens qui étaient morts. Les sourdissons de la trompette. Et ils vont se réveiller en première position. Pour le soir de la question, ils vont se réveiller avec quel type de corps. Jean chapitre 11. C'est pourquoi tu te trouves dans Jean chapitre 11. La Bible dit dans Jean. Chapitre 11. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils arrivaient au tombeau de Lazare, Lazare était encore pourri. Et il poussait l'odeur. Mais lorsque Jésus avait crié, la voix qui appelait Lazare, ça veut pas appeler les morts. Parce qu'il y avait des morts qui devraient passer réveillés. Les gens qui ont suivi Jésus sont nombreux. Les gens qui mourraient la même journée que Lazare, ils étaient nombreux. Ils effectuent le miracle, il n'y a pas de changement. C'est le danger de vivre dans Jésus, mais dans une église idolâtre. Tous les gens qui entrent dans cette église idolâtre. Les gens qui entrent dans cette église ne vont pas en robe. Juste des croix et des idolâtries, les gens qui entrent dans cette église idolâtre. Il y a des gens qui ne volent pas, qui croient qu'ils ne veulent pas l'église. Ceux qui feront de ne pas partir. Tu veux qu'on fasse. C'est parce qu'ils sont allés à un endroit. Il y a un bien préparé. Ils ne sont pas bien préparés. Même qu'on a Christ. Ils ont Christ. Mais on a cause à Christ et mal. Mais il manque Christ à l'endroit. C'est pourquoi les gens peuvent avoir Jésus comme son ami. J'ai dit, c'est pourquoi les gens peuvent avoir Jésus comme son ami. Voilà, frère, le fait que tu m'as dit, tu m'as dit, qu'on puisse prêcher les morts. C'est pourquoi Lazare vient que la fille qui voit Jésus. C'est pourquoi Lazare vient qu'il est ami de Jésus. Mais il m'empêchait à vous. Mais ça n'avait pas empêché qu'il puisse. Ce qu'il avait tué. C'est pas l'amitié de l'œuvre de Jésus. Mais Marthe dit, comment est-ce que si Jésus était là, Lazare en est à Jésus comme ami. L'absence à Jésus pas de. Mais l'absence de Jésus, là où Lazare se retrouvait. Lazare mourait. C'est pourquoi il y a plusieurs des gens qui sont vivants dans le péché. Même les environnements où ils se retrouvent. L'église qui décompte être chrétien parce que tu Tu vois l'église reste là dans ses commerces. Le Dieu ciel est là.
kujifunda kwa Mungu. On parle pas étudier la prospérité chez Dieu. Na kubale balifanikiwa. Nous étudions pour donner à Dieu qui ont prospéré. C'est fini. Après Moïse a eu à Mungu Dieu. Même si Moïse connaît Dieu comment. Mais Mungu atam patia dessin. Mais Dieu ne va pas donner le dessin. Atam patia di bengi va dessiner. Il va donner aux autres pour dessiner. Le principe mon appel à commerce on va commencer à monter le talisman. C'est ça le principe de Dieu de commerce voir des commerçants. C'est un endroit. Avant de parfois. Seigneur pour la moitié Jésus. Avant nous mettons Jésus. On a Christ. Même si tu as Christ. Mais on fait encore quoi Jésus. Mais tu dois voir comme Jésus est. Autant Jésus que Jésus. Parce que le temps que Jésus est Jésus. Autant Jésus que Christ. Et il y a le temps que Jésus est Christ. Christ n'est pas là en tant que Timilika. Il est Christ lorsqu'il va être accompli. Il est pas là en Nazareth. Il est Jésus lorsqu'il est né. Or Jésus que Jésus. Oh Jésus est Jésus. Pas de connaître nos l'amour. Lorsqu'il a la parole de Dieu. Christ. Et il est Christ. Pas de comme ta catifale. Lorsqu'il est le Saint-Esprit qui est glorifié. Je vous dis lorsque l'Esprit viendra, il va parler de ma part et il va me glorifier. Christ, maintenant le Christ, ça veut dire loin de Dieu. Messie qui veut dire. Vous voyez le vrai. C'est suffi. Le Saint-Esprit. Ça veut dire Jésus est Christ. Hein? Lorsqu'il est le Saint-Esprit dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on est en train de diviser sa soeur. Chaque personne mange sa partie. Amen. Si nous voulons le manger en Égypte, il a la condition. Il faut que le manger avec les légumes, amen. Mokachungu. Pas pour la gonjo, tu vas apprendre à appeler les abouta, pas de gonjo diabète. Pas ta gonjo diabète, tu m'as la soukari. Même la viande que vous mangez avec le sucre, la viande de l'agneau, c'est le télésime qui va tomber. Il faut les manger avec les légumes amers. Les légumes amers ici. C'est la nourriture qu'on mange avec ça, la viande. Et si tu manges automatiquement du sucre, mais si tu le manges avec du sucre, tu ne peux pas sortir. Amen. Tu ne peux pas sortir dans l'orgueil, l'impolitesse, l'orgueil, les péchés. Tant que tu acceptes la parole qui te choque au cœur. Tu vois, les gens, c'est quelque chose qui fait mal. La parole est bien, mais la parole est bien, mais c'est un langage de Mokachou. On ne peut jamais donner la viande sans toutefois donner des légumes à mer. Ah ouais, si vous voulez, t'as ni à ma vie, la boule est en Mokachou. Ma discipline, ça pour ça, maman, ça dit tout le monde, mais ma impolitesse. Ces gens-là, il y a la parole, mais c'est discipline comme ça, la politesse. Vous ne voulez pas changer. À mon père, il m'a dit parce que les buissons, on les laissait ma dimanche. Parce que les buissons que je parlais de moi, les buissons ardents. Il est les buissons ardents. C'est quand on a un mot qui s'habitue. Il n'est pas l'arbre comme tout autre arbre. On a toujours un frère. Tu sais, frère. À où t'as osé pour m'obliger à mon papa, je fais comme tu ne peux pas rester des vrais pour Dieu là où Dieu est là. À où t'as toujours un tobicho pour mon ami, mon toit. Si tu n'as pas encore identifié cet homme de Dieu, c'est là où il y a des confusions. Pas les mêmes comme Tchanganiko. C'est ça qui vous crée beaucoup de nous. Je n'en ai pas tellement tu ne seras jamais tranquille dans une église où on prêche les salles. À où t'as quoi qui vient quand il s'en va en ouvrir une bêtise. Comment tu aimes le péché. Ou à quoi tu vois la pénale à Sambi. Tu ne seras jamais tranquille. À où t'as quoi qui vient. Qui l'a qui va t'a oublié en te donnant le cœur. Chaque chose qu'on va prêcher, tu vas t'accamparer. Qui n'a pas. Tu vas dire que ça choque. Qui a mon livre en couleur dans les. N'a pas dit ma mère. Bien aimé. Amen. Mon bien que l'imitat a oublié moi. Dans les années passées, près de la terre. Je m'a dit, j'ai le séminaire, je m'ai accepté concernant la bénédiction. J'ai fait tout le monde ici. J'ai dit, nous, à quoi tu vas te passer par les kiwa? Parce qu'à aucun moment, tu vas te faire un effort. Bah, tu vas te faire un effort. 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 Tu peux m'annoncer ce petit que tu seras béni. Je suis un musée au Mombo, je suis un musée au Caïm, je suis un musée au Mombo, 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 je suis un musée au Mombo,
il cherche la bénédiction. Mon pâté, il y a une bénédiction, il m'a oh, la bénédiction, c'est les salis. Parce que Zaché, tu sais quoi, il avait laissé ses toutes choses. Mais puis là, au pauvre. Et Jésus n'entrait pas dans sa maison. Lorsque la présence de Jésus est entrée dans sa maison, il sent qu'il vient qu'on mange avec les légumes. Amen. Il manquait la paix. Ça commence à chauffer. Il disait quoi? Et ça voit là? Il dit Seigneur, où le hôtel est limouillé? Tout celui que je l'avais volé. Amen. Je vais les restituer. Et avec la richesse que je vais distribuer au pauvre. Lorsque Zaché descendait de là, lorsque Jésus entrait dans sa maison, c'est la même celui que j'avais volé, je vais restituer. La repentance, c'est ça les salis. Si tu n'as pas encore le cœur de ces repentis, tu ne seras jamais sauvé. Et ça, c'est la mort de Lazare. Parce qu'il a Jésus sur la vie. Mais il y a la place là où Jésus n'est pas là. Amen. Si Jésus était là, mon frère Lazare ne devrait pas mourir. La mort de Lazare, c'est manquer Jésus là où Lazare était. Bien qu'il avait Jésus, mais il le manquait là où il était. Frère, dans le terrasse, dans le double tombeau, dans le mensonge. Donne les offrandes dans le monde. On a détourné ma bouta. Tu es escroque, tu détournes l'argent. Après, il y a l'état, il y a ma bouta, il y a ma bouta. Même l'argent de l'état, c'est l'argent de ça que tu vois. Tout ce que vous êtes en train de voler. Ça veut dire que tu as la confusion. Ce qui fait cela, c'est pas. Parce que dans les travaux, Jésus n'est pas. Mais c'est lui-même qui a Jésus. Ici, c'est au travail. Tel chrétien n'ira pas dans l'arbre. Sur le mer, il ira dans l'enfer. Ma sœur et mon frère. Dans la cacao. L'objectif de quoi en Christ? L'aimant pour ma vie, c'est aller à la vie éternelle. Mais quoi, n'a pas besoin de ma vie? Si aujourd'hui, tu vois une personne qui gagne l'argent, il ne dort pas dans la maison. L'autre, s'il a l'argent, il dort pas. Dans le monde, les gens ne savent pas où aller. Les gens marchent avec les sous-vêtements partout dans les corps. Des choses là, c'est prendre la mort. Il y a des maladies qui n'ont point de nom. Celui qui fait toutes les choses là, c'est le diable. Il le fait pour te souffrir, pour te maltraiter. Tu me comprends? Dis-moi, ce diable là. Il connaît qu'il ira aussi souffrir à cause de toi. Même si tu le sais comment lui, c'est le truc qui est profond. Regardez plusieurs qui ont travaillé dans des sociétés, des entreprises différentes. Beaucoup de gens, ils sont pris des sorcelleries. Après, ils sont morts. Regardez les autres de ces enfants sur votre pouvoir. Les autres comme le vin, ils ne savent pas les choses. Pourquoi ces travaux-là? Ils sont œuvrés pour le diable. Maintenant, les œuvres récupèrent la postérité. Le principe de l'Égypte. Comment Joseph on a mis en place? Si Joseph vous pénètre et que vous mangez, vous pouvez manger pendant 300 ans. Je vous couvre esclave pendant 400 ans. Pour être esclave pendant 430 ans. Comme ça les diables. Dieu vit les états. Après que Joseph vous êtes libre. Pas moi dans ce bouquet ouvert. Mais lorsque Joseph vous quittera, mourra. Pas moi dans ce bouquet ouvert. Moi porte ma tante va Israël. Vous tous les enfants de l'Israël. Vous retrouvez esclave. Vous êtes tous dans tout moi. Les esclaves. Bah tout moi. Oui, oui. Il ne sont pas pour pas provoquer les grilles. La décrion dit c'est moi. Donc avec une folle. Lui-même qui couche avec la folle. La postérité va suivre. Il ne manquera pas une personne qui sera fou. Tu vois dans d'autres familles, il y a toujours des gens qui doivent avec les autres les fous. Plusieurs qui mettent cela montre chez ça. Les autres sont les ébriques. J'ai déjà vu une sœur de notre quartier. On a vécu ensemble avec elle. Dans les quartiers de qui c'est vous? Cette sœur.
Moussourissa. Elle est très belle. Elle avait la chance d'avoir les hommes qui frappaient. Sur l'épouse, on avait la dot. Elle ne peut pas faire une semaine. Amen. Tu vas t'écraser les coups. Et d'un autre voix dans le monde entier comme tu dors. Que Dieu soit loué. Vendra 7 sorciers là pour dans les mains. Ça ne peut pas faire une semaine. Et ce sera aussi grave. Allons-y doucement. Ça sent des dalles. Maintenant, c'est sûr. Finalement, elle a sali choix ça. Finalement, elle avait beaucoup accouché. Elle ne veut pas mettre. On va pas mettre. On a gossé la porte. Qui s'est laissé mettre? Papa, elle avait dit. La vie, putain, la boîte à tout le monde. Entre moi, elle savait qu'un seul mari. Je ne peux pas réussir. Moi, je ne peux pas réussir. Un seul homme mari. Il n'est lui qui passe, l'autre qui vient, moi je ne peux pas rester. Elle a refusé le mariage. Enfin, elle couchait avec les chiens. Elle avait payé 100 dollars et couchait avec les chiens. Si vous êtes là. En 2000 ans. Amen. 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 C'est là où elle est allée finir. Elle avait débuté pendant longtemps. Depuis le 90. Elle était dans cette vie-là. Accepte un rêve. Tu vois le diable là? Tu vas trouver cette sœur si elle est grossière de mettre au monde un enfant. Hier, moi, je sacrifiais quoi ça? Hier, Joseph, elle n'a même pas bien qui m'a appelé au rabbi. Mon Égypte. Batakouli a bien comme Joseph a parlé de Moïse. Mon Égypte, mon Égypte. On a un moyen quand on a eu d'Awa, mon Sidas Guerre. Quand on a eu un moyen, on t'a bien. On t'a bien. Bien. On t'a bien. Vous allez bien. Comment on a couvert? S'il met. Le grand Dieu viendra pour dévoiler. C'est vous tous, la famille entière. C'est quoi se convertir, c'est tout seul. Donc nous sommes avec plusieurs choses. Les nous sommes avec plusieurs choses. Oui. Les salis nous sommes avec plusieurs choses. Ça veut dire que c'est les salis qui vont nous sauver. Les salis qui vont nous sauver. Voilà. Comment toi, mais vous, si une personne est sauvée. Atao, comment mon toi n'a aucun conversion. Si une personne est convertue, voilà. Atao, il sera sauvé. On a déjà pas de convivial, on a dit moi, sinon pourquoi est-ce qu'on va en cause au péché à pas de convivial? Tu veux refuser d'être étranglé, on va toujours t'étrangler. Si tu veux t'ensorceler, toujours tu seras ensorcelé. Si tu n'as pas compris t'ensorceler, arrêtez le mensonge, je vais me décider. Le vol, le péché, le chimanga, calomnier. Tu te demandes avec ces choses. Tu te laisses avec les membres. Tu commences à vivre dans la crainte. Il y a d'autres temps lorsque la personne est sauvée. Tu sens le bonheur même de mourir. Je suis entré dans les jeunes même pendant combien de fois. Tellement que j'étais dans les jeunes beaucoup de jours. Je me sentais comment je causais avec les anges. Je me sentais heureux. Dans les jeux, j'ai oublié que j'avais des enfants. Au ciel, ces choses n'existent pas. Tu ne peux jamais connaître. Amen. 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 Je disais que je suis prêt, prends-moi seulement. Prends-moi seulement que je pars. Amen. Amen. Plusieurs fois. Maraning. Plusieurs fois. Et on va déjà retourner pendant plusieurs fois. Dans la seconde demi-partie, il y a toujours trois jours de témoignage. Et puis après, je vais vous donner le témoignage. Il y a des mots. Moi, Dieu m'a déjà rendu cette grâce-là. Moi, ça ne m'a pas d'appel direct. Ni moi, je suis de 15h à 5h. Et d'ailleurs, j'avais reçu l'appel direct. Je vis, je suis de 15h à 5h. J'étais le premier pasteur qui interdisait de prêcher concernant les offrandes. Mais un jour, Dieu m'avait montré comment est-ce que si une personne n'a pas les trésors, tu iras tout de vous sans avoir la place. C'est pourquoi les Écritures disent là où il y a ton trésor. Beaucoup de cas, si tu me vois, moi je vois même la chose que je n'ai pas. Si je me souviens de la vision, je me dis si personne ne me suit presque comment. Mais si c'est vide dans ton trésor, c'est comme une personne qui avait gagné beaucoup d'argent, mais tu n'avais pas investi pour rester la parcelle. Tu n'as pas de demain. Tu ne seras pas semblable aux autres. Bien que au ciel, si c'est beau, nous ne serons pas ensemble. Amen.
On a dit amen. Dieu se réjouit de la mort d'un saint. Ce sont des païens. Les gens qui craignent de mourir, ils vont pagani, c'est la vie courte. Parce que la force des païens, ils marchent à la foupille. Mais Christ, c'est la vie longue. La vie des chrétiens, ils marchent à la rêve. Donc, passer de cette vie. Donc, dans la mourir, ils marchent à la vie longue. Donc, dans la vie longue, ils la mort. Il a mis le côté à coup de foi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, ne craignez pas les gens qui tuent les corps. Je finis ma course. Pasteur moi. Un pasteur. Encore pas. Et ne laissez pas. Tellement il avait évolué pour Dieu. En justice et en vérité. Il écoutait le matin avant de qu'il le disait. Aujourd'hui à 12h, nous allons déprendre. Mais prendre aller où? Nous dans les mondes, dans les mondes. Va te reposer dans les mains. Pour avoir la récompense de ce qui sera vrai. Au ciel, je le paye. C'est là où tu seras payé. Amen. Qui va te payer? Vous qui me suivez sur Facebook, c'est là où nous serons payés. Regarde, tu sers l'Éternel à cause du ciel. Tu n'as pas le temps de suivre les chuchotements, les zombies. Nous qui prêchons les royaumes des cieux. Tranquille, pas le tout critiquer tout contraire. Nous sommes tranquilles, nous sommes tranquilles. Il y a des ordres pour qu'il puisse avoir la santé, mais il doit te parler de l'attention. S'il ne te parle pas, il va tomber dans la tentation. Lui il est en train de prier Dieu et demande que l'esprit va tomber l'estomac. Laissez-le qui est dans la maison avec son mari en train de parler. Amen. 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 Mais en d'autres moments, lorsque nous sommes en vie, c'est pourquoi nous répliquons. Si nous sommes morts, nous n'aurons jamais répondre, répliquer à aucune ajustement. On a pour la groupe moi il a dit à tous les malheureux malheureux pas oublier. Vous savez il y a un groupe qui m'a invité seulement pour commencer à les prêcher. Pasteur ouais on t'a pas tout oublié ouais. Pasteur toi tu seras notre prédicateur. Ils se sont invités ici et là pour m'aider. Première terre. Ma gueule doit savoir quoi n'a pas oublié. Et à Billy la peine. Au monito. Troisième terre, on commençait à toucher les intouchables. Je voyais les appels qui diraient dans les gauches. Enfin, j'ai vu l'administrateur qui me disait. Mais non, c'est comment habite combien ça les choses sont pas je vais m'appeler. Nous sommes sur le midi qui dit les derniers temps c'est comme ça. Les assauts hypocrites. Le manger du dernier temps. Je retourne à cet endroit. Qui ira dans l'élément et qui restera? La Bible dit que l'élément sera. Et Jésus dit quoi? Verset
44 et à Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, verset 42-44. Matthieu au sourire, il y a un coup, 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 il y a un coup. Matthieu chapitre 24, verset 42, verset 44. La Bible dit quoi? À mon tour, il y a un coup. Nous ne savons pas les temps. Voilà ça. Ni l'air. Pour que le fils de l'homme viendra. Mais à qui il y a ce rassemblement? Mais je suis dit, moi je vous montre le mystère. À cause de mon avènement, lorsque vous verrez. Nous avons fait un affaire dans YouTube, apôtre Aaron Kiota, mon chaîne est de YouTube. Et chaque fois, on a apporté comme une 11e partie. Ici, nous sommes sur les 11e partie. J'avais commencé avec les 6 de la fin. J'avais commencé avec les 6 de la fin. Le second venu de Jésus. L'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Ici, c'est Jésus au point qui dit qui est bon. Et qu'est-ce qu'il va le faire des parties? Et l'enlèvement sera comment? Et par après, vendredi et dimanche. Le vendredi et le dimanche. Je veux parler qu'est-ce qui viendra après l'enlèvement de l'église. C'est là où nous allons commencer avec l'Apocalypse. Et là nous allons commencer avec l'efficacité de l'Église. Pour commencer avec l'Apocalypse chapitre 1. Ne m'expliquez pas qu'à chapitre 22. Que je vous explique jusqu'au chapitre 22. C'est là où tu vas comprendre qu'un païen chrétien, c'est très important d'être convertu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas converti, c'est fini. C'est là ce qui est déposé. Il a besoin de détruire les gens qui sont convertis. Ils les épargnent dans les lâches. Les gens ne verront pas ces dangers-là. C'est là de se repentir. Nous sommes vers la fin de toutes choses. Amen. Contenez encore quoi? Une personne voulait en donner des coupes. Une maman est divisée comme les poissons salés. Et puis on la divise comme ça. L'enlèvement est tout ni. Mais la personne qui prend la photo, elle publie sur WhatsApp. Tu vois les WhatsApp, les Facebook là où nous sommes en train de vous prêcher l'évangile. Ce sont des choses du diable. Mais plus bas, les machetards. Il y a des esprits démoniaques. Montre la cause à conscience. Une personne qui manque la conscience. Il m'a dit une maman qui est divisée comme les poissons salés. Dans les groupes de WhatsApp, il y a les filles, les enfants, il envoie. Une personne a interpellé. Quelles sont les choses que tu envoies? L'autre qui réplique. C'est pour qu'on puisse voir et voir même les mondes qui ne se passent. Parce que même les quartiers, il y a les quatre qui ont interdit à l'enfant de 5 ans, il ne peut pas voir cela. Mais il n'y a pas de principe, il n'y a pas de discipline. Mais il n'y a pas de principe. C'est faire la fête. Nous n'avons pas de choses à te préparer. On a mis le yada. C'est pas l'état de ce qu'il y a. C'est pas l'état de compagnie. C'est pas l'état de problème. C'est pas l'état de problème. C'est pas l'état. A toujours un gâteau. Il est temps. A terre, un gâteau. Il est temps. Il est temps. Une personne qui vient de Colosse vers nos machines. La partie qui s'arrive, les gens qui mouraient là-bas. Trois personnes qui étaient sauvées. C'est comme ça la marche. C'est comme un éclair. Une personne qui dort. Il y a un monsieur qui dort avec sa femme. Ils sont venus toutes choses la nuit. Le matin, la femme ne se réveille pas. Bougez la femme. À 10h, la femme ne se réveille pas. Bougez la femme, il ne se réveille pas. Il y a des serviteurs. Toi-même, le soleil est en train de frapper. La femme, il n'y a pas. Elle veut comme ça écouter. Maintenant, à l'hôpital, elle demande de mon sang. Tout vivant comme ça. C'était effectué auprès des frères qu'on vient avec lui. Convenez pourquoi? Une personne qui fait un faux partenaire. Je me souviens dans 98-99. Elle me sait qu'il y avait les gens dans l'hôtel du lac. Hôtel du lac. Il disait quoi? Dieu n'existe pas. Mungu ashikalaki. Si Dieu existe, de maintenant, que je ne sors pas ici pour moi. Je lui donne 30 minutes. Que je veux. Regardez ce niveau-là. 30 minutes, il compte comme ça. Même la bénédiction. Ne travaille pas la même journée. Tu as déjà oublié. C'est là où il y a le secret de l'humanité de Dieu. C'est le sincère de l'homme. Voilà.
Je ne veux pas penser de ça. Dans le tête dans le temps, dans le moment du temps, 30 minutes. Comment tu fais 15 minutes. J'entends pas 15. Je n'ai pas là. C'est comme le monde aujourd'hui à l'évangile. Les gens diaboliques. Je vais renoncer ça. T'as seulement. Mais on a oublié les bâtons. Sont en train de pécher les gens. Que le péché n'existe pas. Le péché les a terminés. Le péché n'existe plus. L'évangile a beaucoup circulé. Il y a même une personne qui est entrée dans l'église de l'Ouche. C'est un missionnaire qui a prêché, on avait assez la théorie. Le péché n'existe plus. Il n'y a plus l'existence du péché. Il a aussi ce verset. De Dieu qui ne compte plus encore le péché au cœur de personne. Et rien la personne que Dieu ne compte plus ses péchés. Elle dort encore. Après, elle peut se réveiller. La personne auquel Dieu ne compte plus ses péchés, c'est cette personne-là. Qui ne pratique plus le péché. Et moi, je suis pas soldat. Si tu veux. C'est comme ça. Hein? Comment est-ce que je serais compté dans la liste des soldats? Moi, je suis pas soldat. Amen. Et vous savez, battre avant 6 mois, battre à passer le mot de la combat cathédrale, que ça puisse être catholique. C'est comme les gens qui vous ont dit, c'est Dieu pour l'Église, à mon père, mais si voilà qu'il y a. Comment est-ce que vous allez mettre sur la liste des fous? Je n'ai pas deux barres de droite et de gauche. Quand je vous ai dit, tombé, il dit, n'a pas de bande, La personne qui ne pratique plus le péché, Dieu va les condamner dans la vie. Donc celui qui est heureux, c'est celui qui pratique plus le péché. Parce que le ciel ne les compte plus dans le péché, lui ne pratique plus. Et c'est parmi les gens qui iront. Et je te dis, il y a beaucoup de ceux qui vont rater l'enlèvement. Beaucoup de saints vont rester. Tu connais les saints qui resteront. C'est celui qui ne connaît pas ses sanctuaires. Frère, il y a des temps que tu ne peux pas faire les péchés. Mais les purités viennent comme ça. Tu ne veux pas voler. Tu sens dans les quartiers, on est en train d'annoncer. Tu marches la paix. Mais t'as des choses inconnues que tu ne sais pas. C'est ça la chrétienté. Tu sais bien dire lorsqu'on parle avant pour vous réjouir. Pour se réjouir dans les choses, mon sujet, tu dois voir l'esprit de l'incarnation. Tu n'as pas laissé de souffrir. Comment tu vas t'irriter? Tu vas te mettre en colère. Amen. Et c'est le signe de celui qui est converti, celui qui est laissé d'esprit. Si on termine de manière arrangée, il retourne des amis plus qu'avant. Amen. Amen. Avant, je vais te guérir, ça nous rend à distance. Après la vie, Jésus ne passe pas celui qui est au ciel. Comment est-ce que je vais pardonner l'homme de Dieu? Et si toi tu pardonnes pas l'homme de Dieu, entre ta colère et la colère de l'homme de Dieu, quelle est la colère qui est forte? Ce sont des chauffeurs. S'irriter pour l'homme de Dieu, c'est blessé. Davantage. C'est comme si Dieu t'allait toucher le public de l'aide de Dieu. C'est pas tout le désespoir. Les impédiques, nous allons les toucher. Les prostituées, les puissants. Moïse ne touchera pas là-bas. Et là, c'est le fait qui est timide, Moïse. Il y a la présence de Dieu. Notre Dieu est fait de voir. Mon Dieu, tu le montes là-haut. C'est pourquoi Moïse a fait chauffer. C'est pourquoi Moïse ne s'approchait pas de ça. Là où Dieu existe, Lazare a couffé. Lazare ne meurt pas. Là où Jésus est là. Il était ami de Jésus. Mais il était mort. Mardi. Seigneur, si tu étais là. Lazare, mon frère Lazare ne veut pas mourir. Amen. Tu vas. Bien qu'elle soit la fille. Bien qu'il était ami. Il a dit quoi pas facile. La fille est là. Mais comme il était à l'endroit là où il avait pas la vie. Sortez dans l'église de la main du Seigneur. L'église n'a pas fait de la main du Seigneur.
acceptable. L'église diabolique. Les amis qui dans l'église, on ne poursuit jamais la vie des gens. On peut se remplir pour remplir. Sondez à cet endroit. C'est là où la crainte de Dieu est là. C'est pourquoi là où tu es. Moïse n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille, Moïse. Comme il n'est pas tranquille. La vie n'a qu'il Moïse va changer. Pour ça, t'as perdu. Il n'a qu'il n'a amen. Écoute, il n'y a pas la négociation de ta femme, ton mari, tes enfants. La fin des choses de Dieu. Il n'y a pas les parents, ok, amen, ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Que Dieu te bénisse. Les choses de commencer à intimider le pasteur, vous savez, on a tout. Moi, mon père est trop méchant. J'ai appris le père du pasteur aussi. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est l'engagement individuel. Amen. Ah, je suis pas venu amener la paix. Si tu veux chercher Jésus, il va t'amener la paix, il n'est pas là. La paix de Jésus existe là où il y a la paix. Matthieu chapitre 10. Là où la maison de votre Seigneur. S'il y a l'enfant de la paix, et votre père restera là-bas. Amen. Amen. Papa dit, j'ai amené les feux. Les amené l'épée. Oh, Paul dit l'épée, c'est la parole de Dieu. Ça divise l'âme et l'esprit. Les grands frères, les frères là de mon esprit. C'est même ce que vous parlez de mon âme. Il est du cœur. Mais celui qui t'appartient pas de le bénéficier. Je t'ai dit beaucoup de choses. Qu'on puisse les pousser. À moi, je vais tuer. Mais à 15 ans, on peut les séparer. À 18 ans, on peut les séparer. Toi, tu refuses d'être marié. Tu vas étudier. Si il est seulement de donner la grossesse, est-ce qu'il y a le diable? Non. Hein? Je ne connais pas chez vous. Il n'est jamais venu chez vous. Toi, c'est le soir. Si je l'appelle, elle vient. Papa, moi, on pas fille. Un papa qui est vendu, qui clôt ses amis. Un jour, je prêche. Laisse-moi donner le témoignage. Il va aider les parents. Je suis au niveau des chers. J'ai dit, vous ici, abandonnez les félicités. Le président a besoin de chanter quoi pour Dieu? La paix de Dieu. La paix de Dieu. Ça veut dire j'ai menti. Ramasser les sacs de ce sacrifice-ci. On a ramassé les sacs de filles. Et puis le papa dit hier ici. Moi le pasteur se parlait. Lui ne savait pas que. J'aimerais que sa fille. Là où elle était en train de passer, lui il était pas. J'avais un dossier dans mon bureau. Il y a des jeunes qui ont les cœurs dire. Un jeune qui vient. Regardez dans la colère de la porte de l'autre. Un garçon qui vient. Papa, pour aujourd'hui, ça me fait trop mal. Si je suis venu à cette église, c'est une soeur qui m'avait amené. Elle est la mienne. Et en même temps, on commence à me rappeler cette église. Elle était déjà ma mienne. Mais en allant au frère, regardez ce frère ici. Il est venu seulement précipiter au groupe. Il commence à courtiser ma mienne. Je l'ai appelé en cachette de lit. La Bible dit si tu vas le sortir, ton frère dans les oreilles, tu vas l'appeler pour pas venir avec ma mienne. Les sécurités, ils vont interpréter selon le besoin à ça. Les sécurités, ils vont interpréter selon le besoin du péché. Yes. Amen. Il ne sait plus, il ne connaît pas. Papa, regardez les photos. Il montrait les photos, ils étaient dans la chambre. J'ai dit frère, laisse-moi là. J'ai un dossier ici. J'avais honte. J'avais dit. C'est le débit de l'ouverture de cette église. J'ai dit, est-ce que c'est pour une guise à déflorer? Il va te faire rentrer en déflorant les enfants d'autrui.
après ton passage, tes enfants. Même les bandits vont entrer seulement comme ça pour violer ta vie. Ce que la personne se met, c'est ce qui la mentionne. La grandeur du péché, c'est ça la grandeur de la repentance. Si tu penses qu'être pardonné du péché, c'est le Seigneur pardonne-moi. Ah, si je parle, je serai lié. Le péché que tu ne sauras pas, moi, pourquoi le faire? Tu vas comprendre le péché de Dieu. Tu ne pas ça. Pour que ça puisse avoir le pardon. Si tu veux dire, j'avais couché avec la femme, tu vas demander pardon à son mari pour lui dire, j'avais couché avec ta femme les 15. Pasteur, il faut équipe. Pasteur, il faut la sagesse. La sagesse dans le péché, ça n'existe pas. Si tu demandes, c'est pas pour que c'est ça qui est facile. Le péché est pratiqué parce qu'on vous prêche que le péché est facile. C'est pas facile parce que c'est lui qui demande à te pardonner. Pour aller à Golgotha, c'est pas facile. C'était pas facile. Amen. 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 Qui est difficile. Qui est au mouvement. À confesser. Qui est au mouvement. Aussi qui voit. Amen. Tu le fais pourquoi? Tu es servant. Et c'est le temps là que vous êtes. On a eu, tu sais, téléphoné à pour parler ou pas dans la camisa, ça s'est passé qu'on a oublié. Ton téléphone, lorsque tu regardais dans l'église, lorsque le pasteur prêchait, lui ne savait pas que tu es en train d'enregistrer. C'est pour commencer à parler. Lui aussi ancien. Il avait même un téléphone. Il avait même un téléphone. Il était. L'autre qui vient. Est-ce qu'on voit bien ton fils? Est-ce qu'il te dit c'est comme ça? Devant les autres ancêtres. Est-ce que c'est le respect? C'est le respect dans les péchés. Amen. Et c'est comme ça. C'est le respect dans les péchés. Amen. Mouïté. Darité. Tu n'as qu'à ta Bible. Nous récusons la Bible de papier. Moi, Android à $500. Dans l'Android de $500, nous allons lire la Bible sur Facebook. C'est le Satan. Les diables, hein? Vous voulez que nous prêchons? On appelle notre vidéo Happy. Amen. Amen. Qui ont assez de poids? Qui ont un mot? Quelle qui a tout bon à dire. Il y a des gens ça au ciel. Amen. Bible la Sema. La Bible dit avec moi ta quoi. L'allemand sera avec profonde. C'est un éclaireur. Les gens qui vont écouter, ils vont écouter la voix. J'avais enseigné le matin à cause des cinq portiques. Que Dieu bénisse les enfants compris avec eux le matin. Il va fournir chez vous. Je les avais enseignés le matin. Mais ça ne va pas passer une portée. J'ai dit au nom de cinq portiques. Les gens ne réussissaient pas d'entrer dans les temples pour prier. Parce qu'ils n'étaient pas des temples. C'est le temple qui va prier dans les temples. Ni écart, lui, t'as pas un écart. Amen. Écart. Parce que le temple, c'est une maison de la prière. Écart, ni nous, maman. Jésus a dit, on a fait une nyumba ya baba ya. Vous avez changé la maison de mon père. Tu devais être dans la maison de la prière. Tu devais la place des échangeurs. Qui va donner $1,000 après 6 mois. Après 6 mois, tu vas lui donner $700,000. $700,000 après. La maison des échanges. Je chante pour toi. Tu vas me donner la voiture. Je te sers de ton péché. Tu es voulant ou pas devant la maison. Ça devient des choses des échanges. Les évangiles des échangeurs. Les gens ne sont pas convertis. C'est pourquoi ils n'entrent pas. Entrez pieds dans les temples. Parce qu'ils ne sont pas les temples. Les temples ne peuvent pas supporter ça. La vie du temple, c'est la prière. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6-19 également. Ne savez-vous pas que vos corps
sont les temples du Saint-Esprit. Le corps qui est les temples, c'est le corps qui viendra dans les temples. Donc ça veut dire que c'est les temples qui va prêter les temples sans le Saint-Esprit. Tu n'as jamais prié. C'est lui qui nous fait les prières, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous enlever dans le monde, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous fera écouter les sons des trompettes. C'est le Saint-Esprit. Même dans les chapitres, c'est lui qui nous fera écouter ce son. Siècle de Tiatango tombé. Chante dans cette église. Il y a la délivrance. Quelle délivrance il y a? La délivrance. Il y a la transformation. Nous avons des soeurs qui s'allient très mal. Les seuls qui étaient désobéis. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ils sont bien. Elles craignent Dieu. Et les étaient qui tombaient aujourd'hui demain. Les problèmes, s'ils sont convertis. Et parce qu'il disait, je vous allais prier pour les pilleries, c'est lui qui a ici. Après, les avons pu se réguler. Lorsqu'il a réussi la délivrance, papa, il commençait à insulter les intercesseurs. La personne qui sort dans la délivrance va insulter. Il n'a plus la force d'insulter. Parce que l'esprit des insultes est exorcisé. J'ai dit, frère, tu n'avais pas fait la délivrance totale, tu avais l'exorcisme. C'est pourquoi ils étaient tombés par rapport, ils étaient réveillés. Regardez la personne démoniaque qui était délivrée. La Bible dit, on avait donné les manteaux des disciples. Mais celui qui est délivré la folie qui tient. Pourquoi il manque de porter le vêtement des disciples, le manteau? Il est toujours dans sa façon. La vraie délivrance. Vous voulez voir quoi? C'est la transformation. C'est la délivrance. Vous voulez voir quoi? C'est les salis. Le pardon du péché. À quoi tu as ça? Quand tu es délivré. Si la personne est délivrée, il va voir que tous ceux sont les excréments. Tu vas voir les ménages. Tiens, écoutez, disons les choses que j'ai portées. Ça va contrôler le mécanisme. Là où tu entres, c'est ce que tu as converti. Regardez tes lèvres et pour les subir au niveau des têtes. Ce qui est de pire n'entrera pas. Le pire de ce moment, je vous dis les amis qui disaient il faut se faire. Si le sang est tombé, si le cœur n'est pas pire, tu n'iras pas. Et la chaleur du second, c'est le bon, même 5 fois. Même 5 fois. Vous savez, nous, on va s'amuser comme un coup d'oche. Et là, on va se faire un coup d'oche. Pour qu'on ne s'en fasse pas, il faut que vous m'écoutez. J'ai vu ça. Frère, non. Ça dépend de l'organisme. L'autre, s'il se lave 5-7 fois, il tombe malade. Amen. Amen. Les corps, c'est ici, c'est la terre. Même si tu appliques la leçon, si tu retournes en bord, la salité aura été la leçon. Tout le monde voulait à haut pour se après 14 frères, va t'accasser Nafsi. Quel bise de l'homme. Amen. C'est le seul qui a la bombe. Le seul qui a fait la cuisine. Le seul qui a la mouchimanda. Les corps et suivent pour lui. Ce sont les choses qui saluent le corps. Il m'en goûte. Ça, c'est l'événement. Il ne devait pas entrer sur le seul. Parce qu'il mangeait avec les chiens, on les pouvait. Les corps qui poussaient l'homme. Je vais vous dire que c'est un peu plus de temps.
rendez-vous. Abandonnez ces histoires. Désolé seulement, merci Seigneur. Et puis, merci à toi. Si tu es l'esprit de Dieu, tu étais converti, ça va te tuer par rapport à quoi? Moi, tu dis, abandonnez ces histoires. Moi, tu m'as bâti. Abandonnez les aventures. Frère, moi, tu vas guider partout. Et nous avons emmené dans la voiture. Avec ton accueil. Nous sommes arrivés auprès de la Roche. Il a sorti les cachets. Je vous ai dit, frère. Partout nous sommes, nous sommes sortis. Je ne portais pas. Tu es arrivé ici. Tu as mis. Tu sais pas même les hypocrites vont manquer les gens. Pourquoi est-ce qu'ils parlent? J'évite Corona. Nous sommes dans la voiture. Nous retournons en train de on t'avait pas. Mais comme tu es dans la voiture, maintenant tu vas être dans la voiture. Corona va t'atteindre. Est-ce que vous savez cette hypocrisie? Mon ancien en Afrique. Ok, les enfants. Tout le monde va et remercions Dieu pour dire merci, Seigneur. Regardez, ce pas des mesures qui aident les gens, c'est Dieu. Avant, c'est Dieu. Si tu acceptes que c'est Dieu. Si toi tu réfléchis. Dans l'hôpital, les ils sont au niveau des bobos. Seigneur, souviens-toi de moi. Si je sais, c'est pas que. La maison là, je viens te donner. Comment tu connais, je vais aller. Aujourd'hui, les gens qui sont là, les responsables, c'est Dieu. Moujou, le maître suprême. Moukou, Wachou. C'est pour moi, tout c'est Dieu. David, tu vas laisser à Dieu. D'autres choses, nous allons le faire parce que les hommes ont dit ordinairement, nous allons le faire, mais avant tout, Dieu. Ne mettez pas à la place. Après la mort, il y a la place là tu dois partir. Si tu n'avais pas craint de celui qui tue, après la mort, tu iras où? Sois sauvé, sois converti. Lui, il est la sécurité. Lui, il est un Dieu qui a le pouvoir. Et la paix est jusqu'aujourd'hui. La Bible dit que les morts seront ressuscités. On va leur donner le nouveau corps. C'est pour pas les ciels des femmes. Il n'y a pas les ciels des hommes. Les ciels est pour les gens qui sont convertis. Pour tous, nous serons revêtus de nouveaux corps. Les corps qui n'auront pas les sexes. Parce que là au ciel, il n'y a pas d'être mort. Si il sera le sexe, ça ne sera pas le travail effectué. Là aussi, il n'y a pas l'accouchement. La Bible dit que nous serons comme des anges. Tu te vois comme papa? Malaïka. Comment sexe est ta cour? Si le sexe sera. Ça veut dire que les gens vont s'épouser. Non. Tu veux dire que les ciels sont mauvais? Là où les gens mangent, ils mangent ensemble avec Christ sur la terre. Ils mangent très bien. Et il n'y a pas la toilette. Là où il n'y a pas la toilette. Là où il n'y a pas d'électricité. Mais la lumière qui est claire. Quelle bonté. Je dis, c'est quelle place il y a la porte? Il n'y a pas une bonne place que nous allons convoiter. C'est la place que lui-même, la sudeste, qui nous a construit. Après, qu'est-ce qu'il y a après cette vie si tu veux? Tu vas aller se reposer. On ne peut pas dire que Nafsi a eu pour musique dans la main. Parce que chanter les cantiques qui disent. Nous chantons ces cantiques. Nous chantons cela. Vous savez, la louange, c'est une bonne nourriture aussi.
Aide-moi, Seigneur, ça s'est dit. Je me sens heureux. Je me sens à l'aise. Je ne regarde même pas le temps. Je ne vois pas qui le temps est passé. Je suis pas dans le programme de ton temps. Au ciel, le ciel s'est place. Quels sont les gens qui vont parler? Elle me dit dans Matthieu chapitre 24. Les deux seront pour commencer à prier. L'un sera pris et l'autre va rester. Mais Jésus reste avant. Mais je te dis, comme la haute, avant de son avènement, le signe vont apparaître. Elle me dit, l'un sera pris, l'autre va rester. Ensuite, il dira à ceux qui seront. Verset combien? Voilà. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Allah m'a mon roi sur ton écran en bigoli. Dans le ciel. Mumbigo. Toutes les tribus de la terre. Ma famille sort de sa lumière. Se lamenteront. Ils devraient venir. Et nous verrons le Fils de l'homme. Ils amoureront mon roi. Venant sur les nuées. Et on a fait la oui. Sur le ciel. Et on a fait la du ciel. Et en bigo. Avec puissance. Na ouais. Et une grande gloire. Na tu vois quoi? Il enverra ses anges avec la trompette. Attends-toi malgré la voix qui est dans ma baraque. Retentissante. Ma baraque vous ouvre la prière. Et il ira ses élus, les quatre voies, depuis une extrémité, de ciel jusqu'à l'autre. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Vous diffusez. Par une comparaison. Vous diffusez par une manipulation. Il est difficile. Il est dans la tombe pour motiver. Appelle la Jésus ici. À ce moment, tu instruis. Il a dit, instruisez-vous. Mon comparaison. Dans la comparaison. C'est que la comparaison. Dans mon égalisation. Est une raison. Nigeria. Alors, la comparaison n'est pas une raison idonienne. Bien entendu, à la comparaison. La comparaison. Est une raison. Est une raison. Ma comparaison, c'est une raison. À ce moment, tu fonces. Il a dit, instruisez-vous. Par une comparaison. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez voir qu'il y a quoi? Prendre la chose véritable. Pour la comparer avec la chose mauvaise. Si les gens prêchent faux. Si ils prêchent aussi très bien. C'est pour corriger les gens. Je vous demanderai les chemins qu'ils doivent choisir. Mais pourquoi il y a des fausses églises et des vraies églises? Des fausses églises sont là. Si tu entres, tu vas mettre au monde. Cette année, tu vas voir. Cette année, tu vas construire. C'est ça la prédication. Les colonnes voyages. Je vois les voyages. C'est Dieu. Les gens qui vont te tuer. Dès aujourd'hui, qui puissent mourir. Sache que ici c'est bien. Là où il y a la bêtise. Là où il y a les bons voyages. Il y a Madeleine. Répandez-vous. Arrangez-vous pour mourir. Craignez-vous. Si tu es converti, tu ne peux pas laisser celui qui a converti de premier appareil. C'est son droit de manger. C'est son droit de manger. Ni alors à tout. C'est le signe. Aïe, comparer. C'est le mal. Amen. Qui a fait qu'à la zéro? Comment on a comparé? Lui m'a dit si tu compares, tu dois trouver la solution. Tu dois trouver la solution. Ou bien tu as pris quelqu'un qui t'a. Tu dois choisir ce que j'ai. Amen. 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 Amen, l'église. Amen. Amen, l'église. Amen. Jésus a continué à la zéro. Jésus continue à te dire. Bah oui, il va te faire la tombe à fâcher. Les deux commenceront à piler à même endroit. L'un sera pris et l'autre va rester. Qui ira? Et qui restera? C'est ça ma question. Le deux entre les piliers dans les bilans. Le vrai pilier dans le bilan. C'est le jeu. Le prédicateur et l'interprète. L'un sera pris. L'autre va rester. Celui qui ira, c'est qui? Écoutez l'autre prédicateur qui dit. Non, les femmes et les hommes. L'homme va partir, la femme va rester. Un jour, je t'ai questionné ceci. Le deux. Sur le même lit. Celui qui va rester. C'est qui? C'est le mari. Les mamans disent que ce sont les hommes. Parce qu'ils nous refusent. Et puis les hommes dépassent le mensonge. Et pas possible. Ce sont les femmes. Les pas nos familles. À chaque place que je demande. Mais la fois que l'homme doute. La Bible dit qu'avant de partir, tout le monde. C'est la personne qui sera revêtue du corps du ciel. Les deux qui vont partir.
le prédicateur et le docteur. C'est lui qui est enseigné, c'est lui qui enseigne. C'est lui qui va enseigner, doit rester. Et c'est lui qui est enseigné, va partir. Ça veut dire même que Judas puisse rester. Et que Paul puisse venir. Mais c'est clair. Il y a toujours celui qui va rester. Dans la chorale. Et celui qui ira. Et celui qui va rester. Si tu n'as pas avec tout le monde, les connecter, c'est votre monde. Si toi tu es la patte, tu vas partir. Il y a aussi les gens qui doivent rester. Si tu veux t'embrouiller, tu risques aussi de rester également. C'est lui qui va rester. Il a toujours des choses terrestres. C'est lui qui est en ciel. Il a des choses de chair. Tu vas viendras te gêner dans notre courant. Commençons d'abord à gêner. Lorsque la connaissance, on va partir même dans la volonté. C'est concerné, c'est pour la sécurité. La volonté. Tu vas la personne. Tu vas le jour de toi. Amen. Il avait sa décesse. Tu vas se tuer. Les problèmes, c'est de regarder. Celui qui va rester. Son travail. C'est de donner les longues histoires. Vous êtes déjà sûr? Non, bien. Tu es blessé. Ah, ok. Passez le coup. Passez le coup. Bien. Bonne ton voyage. Lorsque on voyage. Tu me ramènes dans la voiture. Oui. Celui qui va rester. Non. Je vais blesser des gens. On a déjà embarqué. On a déjà embarqué là-bas. On peut déjà demander un frère. Mais c'est amen. Peut-être on va voyager. Peut-être dans un bateau. Même dans des avions. Dans des avions. Même au niveau des avions. Placement de l'ami, accompagne-moi. Attends d'abord que ça passe. Tu vas me réveiller ça d'abord. Parle-moi. Il va te distraire dans les choses. Mais les bateaux. Mon cher, les bateaux. Même ma ville est vide. Si l'homme il est là, il va rester. On appelle ça. Tu nous regardes ça. Mais quelle église qui te souhaite en finir avec moi? Je vais d'abord te donner quoi? Mais ça, c'est pas rester. Je veux aussi rester. Celui qui va rester est là. Et celui qui va partir est là. Quand l'église et ses sont là. Et les chrétiens sont là. Dans l'église, il y a Dieu, mais il n'y a pas de Dieu qui va te prendre. Il y a des dieux qui vont te consumer lorsque tu veux te consumer. Il y a des dieux qui vont te bloquer lorsque tu veux bloquer les choses. C'est tout le temps qui nous a dit que tu es venu ici, je vois. Tu vois la témoignage, c'est ça qui témoigne. Merci, mon chômage. Tu dois vraiment toi témoigner. Pour nous, on témoigne. Pourquoi on voit pas ça? Nous, des frères, on a des vécu. On a revenu ici, le locataire, on a revenu ici. On a revenu les péchés aujourd'hui. On était les gens qui insultaient les serviteurs. Vous savez, beaucoup de gens qui parlent. Ce sont les gens qui vont pas encore découvrir dans le village spirituellement. N'est-ce pas ça? Maman il fait, quelle église? Mais comment on a couillé? Si il vient à la vivre, il vit. On a seulement voir le maman pour aller par jour à ta 4 fois. Tu vois que le mari de cette maman m'a fait la confiance. Il est sur le signe, il a la confiance à maman. Frère, moi, la couille, papa, il l'a entendu. Moi, Rafael, il a les moulettes. Rafael, mon bureau, il l'a entendu. J'ai songé. Il a expliqué ton. Il a expliqué les songes. Il a rappelé les songes. Tu sais, moi, tu as fait mon macarissa. Je n'ai pas les égards. Il m'a réveillé. Les gens voient que toutes les églises sont les églises. Nous sommes les organisations. Nous ne sommes l'église de Jésus-Christ. Là, il y a les chrétiens qui sont dans les églises. Ils sont dans les églises. C'est ça, non, frère. Il m'a plateformé. Ce sont des plateformes. Amen. Juste à la fin. Il parlait cela. Lorsque Dieu m'a donné la langue, seulement au travers de ses songes, j'avais prophétisé sur toute sa vie. Papa, je ne vais pas comprendre, je ne sais pas. Il se sentait la folie. Il m'a mis la première chose. C'est que je vous parle si pour l'avant-hier. Amen. Les choses de parler. Je dois parler même de ce qui va te dire.
que nous avons considéré comme nous qui nous avons aidé. Il y a d'autres choses que tu ne considères pas, c'est ce qui va t'aider. On a déconsidéré Jephthé. On avait déconsidéré Jephthé. Jephthé, il était le roi qui va la sauver. C'est celui qui a l'air pour nous aussi dans la vie. Je ne néglige pas le monde. Je ne néglige pas la parole de Dieu. Il est pour vous ça. C'est qui les touche. Si tu vois, tu viens à un endroit là, on touche pas si tu parles. Il n'y a pas l'esprit de Dieu, tu n'auras pas d'attelement. Mais après, ce sont les choses. Il cala pas facile. Reste à un endroit. La Bible, vous êtes là. En arrivant dans l'église, le pasteur est là. Oui, maman, oui. Toi, maman. Avec ce que tu es là, tu viens dans l'église. On est au Gombe. On est au Gombe. Jésus est dormi sur le Comment est-ce qu'il connaissera Dieu, tu m'as dit. L'autre qui pratique le verset dans son intérêt. Si tu es sorcier, tu fais la sorcellerie. Après, il ne faut pas entrer dans les choses de choses. Ils ont aussi un travail. Lorsqu'ils dorment par terre pour prier, tu vois, on a pour prier pour les bébés, ils dorment sous les lits. Si tu as la bâtisse, tu vas dans la chambre noire. Le jour que tu vas passer sur la terre, par terre, tu vas dire que tu es entré dans la chambre noire. Est-ce que j'ai mal parlé? Mais où est-ce que c'est mon bail? Moi, je ne peux pas mal parler. Parce que ce n'est pas moi, c'est celui qui est devant du parfum. Amen. Et maintenant, c'est le même.
Tu acceptes de la reine parce que je les ai touchés. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas que je puisse toucher. Beaucoup d'argent du vol. Du vol. Soyez convertis. Les mots vont terminer et d'autres maladies vont se diminuer. Quels sont les gens qui iront? Le sang qui est dans l'enlèvement, ce sont les gens qui sont prêts. C'est pourquoi je comprends vous aussi. Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Qui s'est rajouté par verset 45, Matthieu 24. Matthieu 24. Quel est donc serviteur fidèle, ni nani prenant que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Amen. Pour les tumis. Le serviteur. Le serviteur fidèle. Il doit vous donner la nourriture au temps convenable. Il dit qu'amen. Acceptez-moi. Amen. Maintenant, la nourriture qui est au temps convenant. La nourriture des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ça la nourriture. Vous pouvez dire amen. Maintenant, dis quoi? Les gens qui seront prêts. Convenable. Le temps qui nous soit. C'est le plus le temps de vos anciennes choses que vous trouvez dans les pagaises. Je suis rien. Ce sont les gens qui sont prêts. Être prêt dans des bonnes choses. Regardez l'enfant. Oh, et t'as des chiens. Les sons de ton bête sont. Tu es dimanche. Tu viendras dimanche pour écouter. Je viens à Sénégal, ce qui sera après l'allemand de l'église. Qu'est-ce qui viendra après l'allèvement de l'église sur la terre? Sur la terre. Parmi les saints qui vont rester. Cette personne qui était sainte. À quoi taille? Mais il n'était pas prêt. Ces jours-là, il n'était pas prêt. Allons-y doucement, les gens qui sont là. C'est pourquoi c'est si tu vois que c'est là qui va rester dans la guerre. Toi, tu vas libérer. Tu es kaweka. Tu te fais. Le principe qui monte aujourd'hui. Ça nous montrait de vivre dans les hypocrites ici là-bas. Pour bien vivre. Non, abana. Sois ouvert, passer la dame comme tu es. Sois ouvert, ma sœur comme tu es. Oui. Amen. Et moi j'aime marcher avec les gens qui sont comme ça. Maintenant, venez dans ma ville. Que Dieu vous bénisse. Parce que moi, Marie, que Dieu vous bénisse. Mon goût à Marie. Dans les programmes de vendredi, nous serons encore ici. Nous allons continuer. Je vais vous servir. Être prêt, nous allons dans Matthieu 25. Il avait dit quoi, n'est-ce pas? Il avait dit hier. Mais c'est censé. Les sages que des prêts. Parce qu'ils avaient gardé lui. Ils avaient aussi gardé leur arme. Les saints n'étaient pas prêts, ils avaient des larmes. Or, la larme, c'est la parole de Dieu. Psaume 119. Psaume 119. Verset 5 et 4. Verset 5 et 4. 5 et 5. 5 et 5. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. La lampe, c'est la parole. Les enseignements. Chaque église a des enseignements. Et avec le message. Après le message qui est béni, vous commencez à l'adorer. Enlèvement. L'enlèvement. Je suis la présence. Et lui, c'est lui. Élie, c'est lui qui était mort avec la maladie. Vous vous trompez? Bon, on a dit Tangania. Élie est déjà béni. Jésus, il est même Élie. C'est qui? Il est quoi, le roi à Élie? C'était l'esprit d'Élie. Il était venu au premier match chez Élie. Deuxièmement, auprès des gens. Il avait dit que cet enfant, l'esprit d'Élie sera sur lui. Élie, il devait venir, c'était Jean. Et c'était aussi Élisée. Il n'y a pas l'Américain que nous espérons. Pour qu'il n'y ait pas cette réflexion. Frère, quittez la sémence. Arrête l'idolâtrie. C'est bien de se préparer. D'être prêt. Vivre prêt, c'est bien dans la vie des arabes. L'église, même si on peut se faire comment. Même si on peut se faire comment. Ça viendra le temps que nous l'envoyons.
mais la vie des anges, Jodi a péché, c'est le Saint-Germain qui met la vie chrétienne prélétaire. Si l'église ne sait pas comment ça sera difficile d'aller au ciel. Amen. Mais de quoi t'as-tu? Les gens qui sont prêts. Ils parlent de quoi dans ma foule? Ce sont les gens qui ont lui. Lèvre l'amour. La parole des yeux. Ma foule sur mon cahier. Les assemblages sur les cahiers. Les assemblages sur le livre. La ronde d'acadie fonda. Et également le Saint Esprit des là. Camaro, Aounanaï. Si tu n'as pas l'esprit, Aounanaï. Tu n'as pas lui, tu n'es pas prêt. Ça vérifie ma chère. Maintenant, vérifie ta vie. Parce que foule sur mon arabashika. On t'avait enseigné la langue de arabashika. La langue là d'être enseignée. Attaque pelle comme il ne peut pas t'amener au ciel. On a tout comme arabashika. Tu sors dans arabashika. Tu pars de masturber. On a tout comme arabashika. Tu sors dans arabashika. Bon, tu pars dans le mensonge. Je ne suis pas prêt. Ah, on a dit. Le ciel est nommé prêt. Anatolika, Tayari, que Dieu te bénisse, tiens-toi debout, qu'on puisse prier les et tu commences à arranger ta vie. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais être prêt. J'aimerais être prêt. Tout en bas. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus, sanctifie mon cœur. Arrange ma vie. Que ton Saint-Esprit puisse me rappeler. Que je puisse voir cette ville ces jours-là. Donne-moi aussi le moyen de vivre et de vaincre. Au nom de Jésus, nous prions. On a peine à courir les styles à voir ta voix. On a peine à courir les styles à voir ta voix. On a donné chaque fois les yeux. Prions pour notre pays. Prions pour les autorités. Et au nom de Jésus-Christ. Prions pour les autorités.